Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des arbres de Jen Str Struders. <laughs> c'est un oracle qui a été traduit de l'anglais avec 40 cartes. Donc c'est pas un oracle sur logam comme les autres que j'ai pu vous montrer, par exemple celui-ci ou euh, celui-ci. L'oracle celtique de la nature, euh, c'est euh, un oracle qui va, per, qui va parler des arbres et de euh, l'énergie des arbres et de, euh, des, des messages de sagesse qui peuvent nous transmettre. Donc on est quand même dans l'esprit des autres oracles, mais on ne va pas forcément avoir euh, les, les, comment dire, les lettres de l'alphabet d'hologames on va avoir voilà des, des arbres des arbres différents avec certains qui sont communs mais avec parfois des messages différents de ce que l'on peut voir sur les autres oracles euh, comme je l'ai déjà dit dans, euh, dans une autre vidéo ce qui est important c'est de se connecter à l'arbre c'est de comprendre la sagesse et d'où elle vient cette sagesse c'est important aussi d'aller pour, pour mieux la retenir pour mieux la, la comprendre de voir qu'est-ce qui dans, dans le message qu'est-ce qui fait que on va on tel arbre apporte tel message euh, et euh, la sagesse d'un arbre c'est pas juste un seul message c'est tout plein de messages donc on peut aller en récolter de partout. C'est pour ça que ces jeux-là, même s'ils si ne vont pas dire forcément tous la même chose, ils apportent tous un éclairage différent et tous une sagesse différente. Euh, et je le redis, un arbre peut avoir tout plein de messages de sagesse à transmettre. Alors il arrive dans une boîte comme ça, c'est sous ce format là, hop, avec les cartes ici et le livre ici. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le, ce type de livre rigide. Euh, c'est pas mal en fait pour euh, quand on va se promener. Euh, voilà, c'est assez costaud. Euh, et puis, ben, c'est joli en fait. Hein. Ça fait vraiment un, un beau livre. En plus, il est en couleur. Euh, c'est vraiment hyper agréable de, de travailler avec, contrairement à d'autres livres où c'est un peu plus difficile, comme par exemple dans, dans celui de l'oracle celtique de la Nature. Où là, on a, on a quelque chose qui est moins, voilà, qui est en noir et blanc, par exemple, euh, et puis avec un livre plus grand et, et plus fragile. Donc déjà, voilà, un bon point pour le livre qui est tout mignon euh, avec une couverture rigide. La présentation aussi est hyper intéressante. Euh, on a le sommaire qui est sous forme de, de structure du jeu, puisque le, structure, le, le jeu a quatre quatre suites, on va dire, quatre familles. La famille des racines et de l'être, et là on va avoir un certain nombre de d'arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc oui, euh, oui, il y a 40 cartes, pardon. Euh, on va avoir 10 arbres qui vont correspondre à des messages liés aux racines et à l'être, euh, 10 autres aux troncs qui représentent la guérison, 10 autres aux feuilles qui représentent la sagesse, et 10 autres aux fleurs, fruits et graines qui représentent le pouvoir. Euh, elle n'a pas forcément super bien expliqué pourquoi euh, certains, pourquoi elle a mis certains dans une famille ou dans une autre. Moi, la façon dont je l'ai compris, c'est plus dans les. Elle les a plus euh, triés par rapport au, peut-être au message. Euh, mais pour moi, euh, le, il y a certains arbres, comme par exemple l'aubépine, elle peut aussi euh, être, elle peut aussi avoir un, un message de guérison. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est structuré comme ça avec ces quatre familles. Alors, on va les retrouver dans les cartes euh, à partir euh, des tours. Euh, voilà. Donc, ça, c'est, on voit, c'est le, le tronc. Vous voyez qu'ici, là, on, a, on va avoir euh, des, des feuilles. Ici, on a des, des fruits. Et puis, euh, les racines, voilà. Alors, après, on a un petit texte euh, très très sympa de présentation. Euh, voilà, se mettre à l'écoute des arbres. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose de, euh, de vivant et de vraiment lié aux, aux arbres, c'est-à-dire d'aller vraiment voir les arbres, pas juste la carte. Voilà, apprendre à connaître les arbres, étudier les branches, euh, euh, ressentir l'énergie de l'arbre, etc. Donc, il y a une invitation à aller dans la nature. Euh, pour, euh, pour aller, euh, voilà, rencontrer, ressentir tous ces, toutes ces énergies d'arbres avec les différents caractères, voilà, sentir l'énergie d'un arbre. Un petit mot sur les dévas et les esprits de, de la nature. Euh, comment utiliser l'oracle Comment travailler avec le jeu Des tirages, donc euh, une carte... <laughs> Avec un exemple passé présent futur donc ça c'est super euh, classique euh, hop. et un tirage en fer à cheval c'est pareil c'est assez, euh, assez classique donc pas de tirage particulier pour euh, pour cet oracle là plutôt des tirages qu'on retrouve dans, dans des livres de tarot par exemple euh, voilà et puis après on attaque donc avec euh, les différentes familles et on commence par les racines. Donc, on va avoir à chaque fois donc, le, le nom de l'arbre, son nom, on va dire, euh, en souvent c'est du latin, hein, le nom, euh, zut, euh, en, on va dire en nomenclature internationale, le message du débat. Donc, on est vraiment sur l'idée de, euh, de l'énergie. Donc, quand, quand on travaille avec... Euh, L'énergie des faits, par exemple, c'est un, un jeu qui, qui va super bien euh, en complément, puisqu'on on est exactement sur, cette, euh, sur ce type d'énergie. De, de, Alors, euh, par exemple, ici, les humains m'ont honoré depuis de nombreux siècles car ils savent que je leur offre la protection, même dans des circonstances les plus difficiles. Je suis un, un symbole de la continuité de la vie. Donc, on a euh, un petit texte. Euh, sur euh, voilà, c'est un arbre important dans l'Égypte ancienne. Son bois, voilà, était utilisé pour telle ou telle chose. Euh, on a euh, où est-ce qu'on le trouve Ça, c'est super intéressant aussi. Euh, on voit d'où d'où vient l'arbre. Même si on en a dans son jardin, parfois il n'est pas originaire d'Europe. De, euh, le nombre d'espèces. Euh, ce qui produit voilà, il produit des fleurs, des fruits et il pousse jusqu'à 8 mètres de haut. ça j'aime bien parce que du coup euh, ça permet de, de, de mieux connaître l'arbre. Et puis on a une signification droite et une signification inversée euh, voilà assez euh, divinatoire d'ailleurs et puis on va voir ça pour euh, pour toutes les cartes avec chaque fois une, une jolie euh, une jolie présentation en, en couleur. Hop. et puis hop, on a euh, voilà des, des sanctuaires de, de nature en Afrique. Qu'est-ce qu'on a en Europe? Il y a les Vosges en Allemagne, la forêt noire, donc des, des endroits où il y a des, des grandes forêts, et puis des sites web. Voilà. Et une bibliographie. Voilà, donc euh, c'est bien fait, je trouve, c'est joli. C'est euh, voilà, c'est c'est très euh, succinct. Euh, on, a, euh, on a des choses, euh, on a des arbres euh, qui, qui aussi viennent un petit peu partout dans le monde, donc euh, c'est assez euh, international, assez mondial comme, euh, comme type d'arbre. Alors ensuite, on va regarder un petit peu les les représentations. Alors dans les représentations, vous voyez qu'ici. Euh, dans le guide, on parlait d'Égypte, donc on retrouve un peu le, le, un dessin de l'arbre sur un papyrus, et on voit on voit une barque euh, comme une barque solaire en haut. Donc il y, y a des petits indices sur les significations. Voilà, ici euh, on a le baobab et on voit on, a, on voit certains éléments humains, en fait le lien avec l'humain aussi euh, dans certaines cartes. Le cèdre du Liban. Le suji, avec un, un petit animal. Donc, l'inconvénient euh, de ce de cet oracle-là par rapport à d'autres oracles avec que des arbres qu'on connaît, qu'on peut avoir autour de nous, euh, c'est que pour aller euh, en contact avec, euh, alors, le suji, par exemple, moi, je ne sais pas ce que c'est comme, euh, comme arbre, on va regarder. Euh, je ne pense pas que je puisse facilement me mettre en contact avec ce déva dans, dans la nature originaire du Japon c'est l'arbre national du Japon d'accord c'est un conifère voilà il pousse qu'à 70 mètres de haut donc euh, voilà c'est ça sera plus difficile. De se connecter à cet arbre-là que euh, par exemple, euh, les cèdres du Liban. On peut en trouver, euh, on peut en trouver en France. l'acacia aussi. Bon bah le baobab, c'est pareil, ça sera difficile d'en trouver et de, de se connecter avec. Mais on peut avoir voilà le, la sagesse de l'arbre, même si n'est pas un arbre qui pousse euh, qui pousse dans notre jardin. Voilà, là aussi, l'agnan, euh, le pipal. Donc voilà, on, chaque fois on on, on, on voit si c'est, on voit tout de suite s'il y a une chance pour que ce soit un arbre qui pousse dans notre jardin. Celui-là, il y a peu de chance. Euh, et on voit qu'il est euh, lié au bouddhisme. Si je vais retourner, euh, pardon, si je retourne dans le livre. Originaire de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, de l'Indochine et du sud-ouest de la Chine. Et il donne des petites figues violettes. Je suis l'un des arbres les plus sacrés. Dans le bouddhisme, je symbolise l'arbre du monde. Voilà. Donc, c'est un jeu d'ouverture. Et avec, donc, ici, euh, les messages racines. Donc, à chaque fois, on a le, le nom de l'arbre, mais on n'a pas, euh, pas la signification, on n'a pas le, le mot-clé. Il faudra aller voir dans le, dans le petit guide. Donc, là, le saule avec une lyre. Alors, si on regarde le sol, l'harmonie, ah, c'est pour ça qu'on a, euh, a un instrument de, de musique. Donc là, par contre, on peut, on peut faire un travail avec. Euh, un... J'en ai pas mal autour de, de chez moi, donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Le cyprès, super joli. Les cartes sont vraiment jolies. Et cette fois-ci, j'aime bien les tours. <laughs> Il, y a peu de... Il y a peu de jeux pour lesquels je trouve que les tours sont intéressants. Là, j'aime je... beaucoup le camphrier. Donc on a. En fait, on a les utilisations faites par l'humain euh, de, de l'arbre. Donc c'est. Euh... Voilà. Le, le pain sylvestre, qui. Puis en plus, on a voilà, un pi vert, et c'est intéressant avec un petit, un petit chalet. En effet, les, les pins ont été utilisés pour, pour, pour faire, pour faire des, des chalets en bois dans les pays nordiques. Le chêne, le séquoia, l'if. Le tilleul, c'est beau. C'est vraiment joli. Il y a quelque chose de très touchant. L'érable, avec le sirop d'érable. À chaque fois, je pense à nos amis euh, <laughs> québécois que je salue. <laughs> le marronnier d'Inde. Le noisetier. L'eucalyptus. Le, le ginkgo. Le hou, super joli. Le genévrier, le mûrier blanc, le peuplier, l'orme, l'orange douce, l'aubépine. Donc en fait dans le dans l'illustration on a quand même des petites pistes pour euh, pour l'interprétation. Regardez le être, on a un petit, euh, une sorte de petit, une petite, une petite souris en fait dans les euh, au milieu des, des racines, le pommier, l'olivier, super joli, le dattier, avec un oiseau aussi, le cerisier, ça c'est très très japonais, grenade, le sureau noir. Le séquoia géant. Et puis, voilà. Donc, euh, en résumé, c'est... Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve super joli. Euh, j'aime bien travailler un petit peu avec. Je travaille moins, en fait, avec celui-là qu'avec les autres, parce que... Euh, parce qu'il y a moins d'arbres que je connais et puis que je peux vraiment contacter, on va dire, pour de vrai, sans voyager. Euh, mais... Euh, mais il est, je le trouve super super joli, vachement touchant. Et puis les petits indices qu'il peut donner dans les cartes, comme ici, voilà, on reconnaît l'Égypte et le lien avec l'Égypte. Euh, je trouve ça aussi euh, ben, sympa. Et puis j'aime bien, j'aime bien le livre. J'aime bien la présentation du livre. Euh, D'ailleurs, on pourrait presque euh, mettre le mot clé euh, à côté. Si on veut faire des, des tirages rapides, peut-être ce que je ferais à terme pour euh, rajouter pour en fait un débat un à mes tirages quand je fais, euh, pas des tirages pour moi, justement pour les autres, pour avoir tout de suite la, la connexion aux mots-clés. Mais bon, c'est intéressant aussi de, de lire le message ça permet d'ancrer bah, un petit peu le, euh, la signification. Et de, de voir aussi pourquoi est-ce que c'est cette signification-là parce que je trouve que c'est toujours le, la partie euh, la, la plus intéressante finalement. Mais euh, c'est ce qui permet de se lire, se lier au message de façon beaucoup plus euh, efficace. Euh, voilà. Bon, ben, j'espère que cette review vous aura intéressé. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.